C'est le choc de cette 16e journée de Ligue 2 BKT. Le leader Toulouse accueille Sochaux, 4e, 2 points derrière. Étincelant en début de championnat, les Toulousains avaient creusé l'écart sur leurs rivaux, mais ont vu la meute se rapprocher du fait d'un léger coup de mou depuis un mois et demi avec 7 points pris sur les 18 derniers possibles. Les hommes de Philippe Montagnier restent sur 3 nuls consécutifs et vont tâcher de se relancer face à des Sochaliens qui n'ont pas performé non plus ces dernières semaines avec 2 nuls et une dernière défaite à domicile face à Nîmes. Les premiers à se mettre en action, ce sont les Toulousains avec cette ouverture du score signée Rhys Ailey. 9e but de la saison pour l'Anglais. Le ballon bien glissé par Branko van den Boomen. Et derrière, la frappe de l'extérieur de la surface de réparation de Rhys Ailey trompe Maxence Prévost. La réaction des Sochaliens avec le centre de Kalulu. Le ballon mal négocié par Maxime Dupé. Il n'en faut pas plus à Gaëtan Vesbeck pour égaliser. À la 37e minute, ça fait un but partout. Troisième but de la saison pour le capitaine des Lionceaux. Miklo et Oli, les rappeurs toulousains, sont en tribune. Un partout, c'est le score à la pause. Les Sochaliens ont perdu un seul de leurs 7 derniers déplacements. Mais vont subir la fougue des Toulousains en deuxième période avec à la 53e minute le doublé pour Rhys Ailey, opportuniste pour venir tromper auprès Maxence Prévost. Une belle affluence ici au stadium avec les joueurs de Philippe Montagnier qui sont galvanisés et qui vont inscrire un but supplémentaire avec le triplé juste avant l'heure de jeu de Rhys Ailey. L'attaquant anglais de 26 ans est sur son petit nuage et porte son équipe. Toulouse est invaincu lors de ses 8 matchs en Ligue 2 BKT face à Sochaux. 6 victoires et 2 nuls. Et là, ça prend le chemin d'une nouvelle victoire. Omar Daf essaye d'effectuer des changements, mais il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. C'est Toulouse et il n'y a qu'un seul joueur qui crève l'écran. C'est Rhys Ailey, le quadruplé, le premier quadruplé de la carrière du jeune anglais. 12 buts cette saison pour Rhys Ailey. C'est le meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT, lui qui était à égalité avec l'Auxerrois Gaëtan Charbonnier avant ce match. 36 buts inscrits par le TFC, la meilleure attaque du championnat prend le dessus sur la meilleure défense. 4 buts à 1, après 3 matchs sans victoire, le leader Toulouse surclasse Sochaux et prend 5 points d'avance sur l'un de ses concurrents. Les Lionceaux, battus pour la deuxième fois de suite, devront réagir à Bonal avec la réception de Pau.